Écoute, je te l'avais dit, je veux que personne ne vienne me voir ici. Je me fiche de ce que tu as dit, Turton. J'essaie de m'en sortir comme je peux, et toi, tu viens tout compliquer. Tu crois que tu es le seul à être enfermé ici, Derek? Tu ne crois pas que je suis avec toi, moi aussi? Sa mère avait mis ses espoirs en lui. Il est perdu. Tu ignores tout du monde dans lequel vivent tes enfants. Et son père, ses idées. C'est partout autour de nous, maintenant. Quoi? Toutes ces revendications pro-nègres. La race blanche va de l'avant! Tu vois ça? Ça veut dire que t'es pas le bienvenu. Son frère voyait en lui un héros. Moi, je te crois, Derek. Lâche ton arme! Derek, non! Toute cette rage. Toute cette haine. Mais qu'est-ce que tu as fait pour améliorer ta vie? Derek Vignard est sorti de prison à 7h ce matin. Alors mec, comment ça va? T'es trop grand pour m'embrasser? Ah, oh, je suis content de te voir. Vise un peu ça. Quand t'as fait ça? Quoi? Je suis venu te parler de Danny. Il prend le même chemin que toi. Un problème? Laisse-le tranquille. Il pense que la tôle t'a fait changer d'idée. C'est vrai. Je te demande de faire l'impossible. C'est ce qui va arriver? Je vais me faire planter par une bande de skinheads. Je plaque tout. Et Danny, c'est la même chose. Et si tu t'approches une seule fois de ma famille, je te fais bouffer ton cœur. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Derek? Je crois pas que tu réalises tous les changements qu'il y a eu ici. On est au moins 10 fois plus nombreux qu'avant que tu partes. Ils sont après toi, maintenant. Ils vont pas me lâcher. Ils vont être tous sur moi, je peux rien faire. Mais Danny! Derek! Je t'aime, c'est toi mon meilleur ami. Je vais pas te dire ce que tu dois faire, mais je veux que tu comprennes.